me sens très bien. Et surtout, je me rappelle quand j'étais vraiment toute petite. J'adorais ça. C'était la chose que j'aimais le plus. Je conduisais avec mon père. Riva, c'est quelque chose, un foire classe, comme on dit. C'est quelque chose qui n'a pas de comparaison avec les autres. La maison Riva a 170 ans. C'est le mythe, vraiment, c'est le rêve. Ça fait un peu rêver, voilà. Parce que c'est l'histoire. C'est l'histoire liée à tous ces stars du cinéma des années 60, 70, la Dolce Vita, etc. Ça, c'est l'histoire. Dans la réalité, ça fait rêver parce que maintenant, on a des designers qui sont fantastiques, qui font des choses très, très belles. La technologie à la pointe. Donc, maintenant, vous voyez des rives à petit, mais on fait aussi des grands rives. Une histoire d'amour. On l'a mis aussi. On a tourné beaucoup, beaucoup de films avec Deriva, et de James Bond à La Grande Bellezza, par exemple. Il faut surtout continuer avec la production qui soit parfaite. Ça, c'est très, très important. Parce que c'est vrai, les Rivas sont beaux, mais aussi, et c'est très important, la partie, ce que disait toujours mon père, c'est pas ce qu'on voit qui est beau, le plus beau, c'est à l'intérieur, parce que ce sont des bateaux sûrs qui ont vraiment, qui sont bien faits.